Si vous désirez préparer 8 steaks hachés de sèche que le Yamame Lola nous a cuisinés, vous aurez besoin de 600 g de sèche, 7 g de persil, 35 g de chapelure, 50 ml de lait et 8 tranches de pain grillé. Coupez la sèche en dés. La mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Hachez le persil. Dans un bol, mélangez la sèche avec le lait, la chapelure et le persil. Avec le mélange, formez des steaks d'environ 80 g chacun. Les cuire sur une plancha ou une poêle bien chaude avec quelques gouttes d'huile. Grillez les tranches de pain. Et pour finir, dressez l'assiette avec un steak haché et une tranche de pain grillé. La sauce à l'ail et au persil, aioli ou aux cacahuètes sont idéales pour accompagner ce plat. Une entrée délicieuse, originale et très facile à faire. Nous remercions au Yamame Lola de Antignan pour sa collaboration. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la moindre recette.